Attends, attends. Où est-ce que tu nous amènes? Pourquoi est-ce que tu me poses des questions? Attends, jusqu'à ce qu'on arrive à l'endroit où nous allons. Hey, ne pose plus du tout de questions. Allons-y. Je suis fatigué. On y va. Moi aussi, je suis fatigué. Avancez donc. À peine avance donc. Je vous ai dit que j'étais fatigué. Je suis fatigué. Venez, 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 venez. Mais où est-ce que ce gars nous amène? Venez. Je vais que te demander, où est-ce que tu nous amènes? Où nous amènes-tu? Où allons-nous? Nous voulons savoir ce qui se passe. Ne criez pas. C'est une des choses les plus difficiles que je n'ai jamais vues. Hein? Vous devez voir ça. Je l'ai trouvé. Oui, je l'ai trouvé. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu caches? Dis-nous où est-ce que tu nous amènes, mon ami. Arrête de crier, non? Hein? Arrête de crier. C'est pas le moment de crier. Vous devez voir ça. Venez, suivez-moi. Je l'ai trouvé. C'était comme si ça m'a appelé. Que fait-il ici? Je sais pas. N'est-ce pas merveilleux? Pensez-vous que c'est un trésor? Peut-être qu'on pourra vendre ça et se faire beaucoup d'argent. Même si nous voulons. Qui est-ce? Entre. Bonjour, monsieur. Qu'est-ce qui ne va pas? Le messager du roi, monsieur. Il est venu? Oui, monsieur. Il est venu pourquoi? Il dit que le roi sollicite votre présence au palais, monsieur. Ok. Ok. Ok, tu veux que j'arrive là-bas. D'accord, monsieur. Laisse-nous. Votre Majesté. Mes salutations, Votre Majesté. Prends place, Osier Weka. Merci, Votre Majesté. Votre Majesté, qu'est-ce qui vous trouble? Comment peux-tu me poser une pareille question? N'est-ce pas le premier ministre traditionnel?
Ignores-tu ce qui me préoccupe depuis presque 3 ans maintenant? Il y a l'esprit du mal dans ce royaume. Et personne jusqu'ici n'a pu me dire quelque chose de raisonnable à ce sujet. Et mon peuple a les yeux posés sur moi, à l'attente d'une réponse. Mais je ne peux rien leur dire. Votre Majesté, vous êtes seulement humain. Juste un homme. Vous ne pouvez pas avoir les réponses à tous les problèmes. Mais je suis le roi. Vous n'êtes pas la cause de tous ces problèmes. Mais mon devoir est de trouver une solution. Avec le temps, on trouvera des solutions. Quand? D'où est-ce que ce mal provient? Quel est le crime que nous avons commis? Les gens ne font que mourir de manière mystérieuse. Juste comme ça. Aucune solution médicale. Aucun avertissement. Ils meurent juste comme ça. Plusieurs de mes sujets se sont exilés de ce territoire. Et tous les efforts faits pour les ramener ont été voués à l'échec. Ils ont refusé de revenir. Et ils ont juré ne plus jamais revenir jusqu'à ce que ce mal disparaisse pour toujours. Des fous. Des peureux. Des bâtards. Non, ne les traite pas ainsi. Ne les traite pas ainsi, leurs peurs sont justifiées. Lorsque quelqu'un se couche et ne se réveille pas, soit c'est le tonnerre qui frappe et tue, ou alors c'est un nouveau-né qui meurt juste 10 minutes après l'accouchement. Hein? Et un homme s'est noyé dans une petite cour d'eau. Qui n'aurait pas peur de tels événements? Nous devons trouver une solution, et le plus tôt possible. Nous devons trouver une solution. Votre Majesté, donnez-moi un peu de temps pour résoudre ce problème. Donnez-moi juste du temps. Donc tu me rassures que tu es à la hauteur. Je vais résoudre ce problème. Donnez-moi du temps. Votre Majesté. Un autre mort, Votre Majesté. Quoi? La nuit dernière, elle a accouché un garçon bien dodu et en bonne santé. Mais ce matin, en entrant au réveil, le bébé est mort. C'est quoi cette histoire? C'est mon bébé. Aucune goutte de sang. Oui, Votre Majesté. Le bébé est vidé de tout son sang. Même pas une goutte laissée. Mon bébé. C'est clair qu'il a été vidé de son sang par un vampire. Salut, jeune, jolie, belle fille. Je voudrais te parler quelques instants. Y a-t-il un problème? Le ciel, en s'ouvrant ce matin,
t'envoyer vers moi. Les anges souriaient et ont commencé à danser. Le soleil est si fier que la lune est jalouse. As-tu fini ta chanson? Eh bien, comme tu peux voir, je vais puiser de l'eau fraîche. Je suis pressée, donc s'il te plaît, excuse-moi. Désolée, jolie sexy fille. Pourrais-je savoir comment tu t'appelles? Obiageli, c'est mon nom. Waouh! Quel est ce nom flatteur? Sais-tu ce qu'il signifie? Celui qui vient doit manger! Et que dois-je comprendre? Je suis donc venu et je dois manger! Manger quoi? Tu ouvres tes cuisses, oh ha! Et je vais te piquer ça, petit à petit! Excusez-moi, êtes-vous devenu fou? Oh, ça va? Êtes-vous normal? Bébé, oui, je suis normal. Mais j'ai envie de pisser. J'ai envie de pisser dans ta chose. Toi, écoute-moi, vieux fou. La prochaine fois que tu vas me stopper, je te jure au nom de Dieu, tu verras ce que je te ferai. Regardez-moi ce vieux fou. Tes égaux sont mariés et toi tu es ici à raconter n'importe quoi. Dis même ça pendant que le culte est en train de se passer. Regardez-moi celui-ci, n'essaye même pas. Oh. Je te jure au nom de Dieu, tu verras ce que je ferai. Regardez-moi cette crevette. Ça manque qu'elle s'agresse comme ça? Oui. Hein? Que vas-tu faire? Tu me parles de la sauce. N'essaye même pas. Oh. Que feras-tu? Hein? Que vas-tu faire? Laisse-moi te dire, tu n'es pas à mon niveau. Tu n'es rien, rien. Regardez-moi ce... Je ne sais même pas comment appeler ça. Ah! Bêtise. N'essaye même pas. Homme stupide. Ah! Ah! Même s'il ne reste qu'une dent, il faut continuer à la brosser. Obialougeli, je suis venu et je dois manger. Oui. Hein? Non, 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 arrête ça, arrête ça, laisse-moi. Ah, laisse-moi, au secours. Ah, 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 laisse-moi. Ah, lâche-moi, 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 au secours, lâche-moi, au secours, au secours, au secours, au secours, au secours. Insulté. Il a pris sa main et l'a mise dans la bouche du lion à cause d'une stupide fille. Je vais lui apprendre qu'il est très dangereux pour un rat de jouer aux alentours d'un cobra. Ah, regarde-toi. Asiga Yuga Dogoyaro. Laisse-moi te dire, comment peux-tu permettre à un petit garçon de te taper ainsi? Bros, tu ne comprends pas. Ça s'est passé si vite. Je n'ai pas eu du temps pour utiliser ma force. Et qu'as-tu fait après? Le coup m'a fait me coucher. Quand j'ai constaté, c'était comme le fusil. Oga, ne t'en fais pas. Ce soir, tu auras ta revanche. Si douce sera cette vengeance, je me nourrirai de sa chair et boirai de son sang
jusqu'à ce qu'il n'en restait plus rien. Et nous allons le regarder souffrir jusqu'à la mort. Ah, ah t'inquiète même pas. Le voilà. Ah, tu vas où? Quoi? Reste assis, non? Reste assis. Arrête ça. Laisse-les. Calme-toi. Tu dois le faire cette nuit. Ok. Ça, je te le garantis. C'est une promesse faite, crois-moi. Ce n'est pas de la blague. Hein. Sinon, toi, mais tu me connais. Hein? Depuis que nous avons trouvé ce truc... Chut! Ne parle pas! Nous ne devons pas parler de ça à l'extérieur. Si nous ne voulons pas qu'on nous découvre... Et si nous parlons même de ça, qu'est-ce qui va arriver si quelqu'un... Nous devons écouter ce qu'il a à nous dire. Chauffeur, oui. Excuse-moi. Monsieur, bonjour. Bonjour, monsieur. Pourquoi êtes-vous venu ici? Pourquoi? Combien de fois vous ai-je déjà dit qu'on ne devrait pas nous voir ensemble en public? Combien de fois? Maintenant, le roi m'a donné l'ordre de découvrir la cause des calamités que nous avons dans cette ville. Nous devons nous voir au sanctuaire cette nuit. Vous m'avez entendu? Oui, oui. Allez, maintenant partez. Partez! Pourquoi est-ce qu'elle nous dit qu'il ne faudrait pas qu'on nous voie ensemble? Tais-toi! Es-tu fou? Hein? Tu ne sais pas que c'est le chef des ministres du roi et nous des vulgaires villageois. Mais c'est notre ami. Chut! Il est plus qu'un conseiller pour nous. Et nous ne devons le voir que pour des réponses. Juste comme nous sommes allés le voir quand nous ne comprenons pas la magie du... Ah! Ne le dis pas. Nous ne devons pas parler de ça à l'extérieur. Ça doit être en apathie. Ok. On peut alors aller s'asseoir. Oui. J'ai pour mission de trouver des solutions aux problèmes de cette communauté. Mais le plus important est que j'ai décidé de la convertir en notre propre bataille. Mais quel est votre plan? Premièrement, le roi est vieux pour tenir. Cette communauté a besoin d'un leader fort. Donc, vous voulez que nous tuions le roi? À nos yeux. Sois sage. Si quelque chose arrive au roi, les gens vont commencer à tourner aux alentours et vont insister qu'on trouve la cause de sa mort. J'ai une meilleure idée. Dis-nous quelle est cette idée. Je vous la dirai, mais pas maintenant. Mais allons-nous le suivre? Le pouvoir de l'homme grandit, devient de plus en plus fort. Vous voyez? C'était sage de me l'apporter. Le jour que vous l'avez fait. Je l'ai trouvé. C'est moi que t'as appelé. Mais tu ne pouvais pas comprendre la signification de ce pouvoir. J'ai trouvé la signification de l'âme. Et tu nous as appris à utiliser la puissance. Et nous deviendrons des hommes très puissants dans ce pays. Nous tuerons le président si tu le souhaitais. Nous pouvons tuer le président. Nous pouvons sucer du sang. Mais ce n'est pas assez. Vous tous... Vous demeurez des jouets du village. Personne ne vous respecte. Parce que vous n'avez pas d'argent. Oui, mais pourquoi ne peut-elle pas nous donner de l'argent? Elle ne peut pas te donner de l'argent. Mais elle peut te donner le pouvoir de contrôler l'argent. Comment? Je suis encore en train d'étudier cette orbe. Quand je vais finir mes études, je vais vous faire des révélations. Pendant qu'elle y est, quelle est la prochaine cible? Son nom est Nana. Nana. Quel est son crime? Insulte et insulte. D'où provient ceci? Inefficiency. Agua inefficiency. Alors invoquez son nom. Invoquez son nom!
Maintenant, tu vas payer pour m'avoir insulté. Et il sera beaucoup plus prudent dans sa prochaine vie. Nourrissons-nous de sa chair. Ni caramba, yeah, nita flavor, hey, hey, Hoshi, orobo, kibo, kibo, hey, flavor, je vais te rencontrer un jour, hey, on verra, yedinko, yedinya, oh, gerere, flavor, tu veux banquer, trop même, ok, wanyo were, hey, wanyo were, hey, ok, coucou, wanyo were, non, flavor, toi et moi, on doit se voir. Toi et moi, hein? On doit seulement se voir. Ah! 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 Non plus. Au revoir, mon cher ami. Ce que j'essaie de dire, Votre Majesté, c'est que peu importe jusqu'où se trouve la situation, à la fin, les choses se porteront. Votre Majesté. Comme quoi? Qu'y a-t-il encore? Un autre décès. Un jeune homme de ce village vient d'être retrouvé mort. Es-tu sûr que ce n'était pas dû à une situation naturelle? Non!
J'ai vu le cadavre moi-même. C'est comme les autres. Et c'est comme si son sang était aussi vidé de son corps. Hein? Mais c'est quoi ce mystère? Votre Majesté, nous devons faire quelque chose maintenant. Votre Majesté, je voudrais vous rassurer que les choses iront bien. Je travaille sur tout ça. Une solution sera trouvée. Non. Tu ne fais rien. Que je ne fais rien? Oui, tu ne fais rien. Comment oses-tu dire cela? Assez. Je ne veux pas vous voir vous disputer dans mon palais. Et quoi? Peux-tu imaginer l'insulte? Mais regardez-moi, c'est homme de rien. Calme-toi. Ose. Calme-toi. Okonkwo, que penses-tu que nous devons faire? Chercher l'intervention de Dieu. Je connais un pasteur dans cette ville. Faisons-lui appel. Inefficient, tiens. Igwe, n'accepte pas sa suggestion. Elle n'est pas sage. La plupart d'entre ceux qui se font appeler pasteurs sont des faux. Ils sont faux. Tu les appelles, tu leur donnes de l'argent pour faire un travail, ils prennent ton argent et ils s'enfuient. Et je te rassure que je ferai quelque chose. Igwe, ce que je suis en train de dire... Oh, comme quoi? Je fais confiance à la sagesse de Ozo Iweka, mon premier ministre. Ne parle plus de cela. La solution, c'est la sienne. Votre Majesté. Azunko. Allons-y. Maintenant que l'idiot là est mort, j'espère que tu es content. Oui. Son sang était le plus sucré sang que je n'ai jamais eu à boire. Qu'en est-ce de cette fille? Tu veux dire... Obiageli? La magie de ce que tu connais ne nous permet pas de boire le sang des femmes. Vous le savez. Alors nous allons simplement la tuer. La tuer? Dans ce cas, tu vas devoir placer un ordre. Et nous ferons ce qui nous ira. C'est vrai. Ike. Si j'avais eu cette fille, je l'aurais poncé, et très bien poncé. Iken, la place de cette fille. Hein? As-tu vu la poitrine? Iken, ses seins ont juste tendu, juste comme ça. Ça veut dire? Comment qu'y aller? Lequel de nous? Je veux dire que tous les trois pouvons passer tour après tour. Non, dis-je. Je ne veux pas que tu dises nous. Je ne voudrais pas partager cette fille avec personne. Cette fille est à moi. À moi. À nos yeux, tu sais pourquoi je te déteste? Je te déteste parce que tu es trop égoïste. Oui, je sais que je suis égoïste. Mais tu dois savoir que pour chaque politicien égoïste, il y a une femme dévouée. Même s'il ne reste qu'une dent, il faut continuer à la bosser. Laisse-moi aller me soulager. Regarde ce type. Ce gars est fini. Hey, ouf. Je sens le pouvoir grandir. C'est jouet du village. Jonathan tient votre magie. Il n'y a que moi seul qui puisse le faire. Oui. Je vais puiser dans ton pouvoir et devenir l'homme le plus puissant dans le monde. Et je vais frapper à mort toute personne qui s'opposerait à moi. La terre tremblera à la mention de mon nom. Oh, tout genou fléchira quand on m'appellera Seigneur. Le roi m'a ordonné, ne sachant pas que bientôt son règne prendra fin. Pendant que je puiserai ton pouvoir, je vais m'accaparer de tout le royaume. Tout le royaume! Tout le royaume.
Anasier. Tu dois épouser Obegeli. Quoi? Quoi? Attends, mais la magie nous interdit de nous marier. Oui. Tu l'as dit? Oui. Nous sommes supposés rester célibataires jusqu'à notre mort. Je dis que vous devriez rester célibataires parce que tout enfant qu'une femme portera de vous deviendra un monstre. Alors, pourquoi me demandes-tu de me marier? Parce que le homme demande cela. Pour cette raison spéciale. Et cette Obegeli que tu vas épouser va enfanter des enfants qui ne seront pas permis de vivre dans ce monde. Chaque fois qu'elle sera enceinte, on tuera l'enfant et on sucera le sang. Oui. Oui. Mais elle me déteste. Elle ne sera jamais d'accord. Dès maintenant, tu deviens beau à ses yeux. Et elle sera épouse de toi, toi et seulement toi. Mon problème est que le roi a refusé d'entendre raison. Il n'écoute que le conseil de Oziweka. Oziweka. Tu sais, je n'ai pas confiance à cet homme du tout. Moi aussi. Il ne fait absolument rien. Mais le roi l'écoute. Hé! Quelle honte! Les gens meurent pour l'amour de Dieu. Hein? Mais papa, quelle est la cause de leur mort? Personne ne sait. Des vampires spirituels. Papa, sommes-nous en sécurité? Nous pouvons-nous pas fuir? Mon fils, si tout le monde s'enfuit de cette ville, qui restera pour combattre ce fléau? Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Oui, le roi refuse toujours de me permettre d'amener Pasteur Charles de venir démystifier cette ville. Mais je ferai quand même quelque chose. Papa, tu veux déjà aller à l'encontre des ogres du roi. Ne le fais pas. Oui, mon fils. Parfois, si ça marche, je suis. Je vais la manger chaque jour, chaque jour. Bro, ne parle pas comme ça. Ça va marcher. C'est même en train de fonctionner actuellement. De quoi tu parles? Tu as fumé la chouba ou quoi? C'est un petit bébé. Bonjour, monsieur. Bonjour, ma jolie Obiageli. Comment ça va? Je vais bien, merci. Anouzé. Oui. Je voudrais vraiment m'excuser. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait toutes ces choses. S'il te plaît. Désolée, pardonne-moi. De quoi est-ce que tu t'inquiètes? Regarde comment il fait. Tu n'as pas à t'inquiéter. J'ai oublié ça depuis... Vraiment? Oui. Merci, mon Dieu. Je tiens aussi à m'excuser pour ce gars qui t'a battu. Oublie tout ça. Je ne me souviens même pas de lui. Tu ne te souviens pas de lui? Oui. Ce gars est mort. Mort? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Mon cher, personne ne sait. Une autre mort mystérieuse. Saint Moïse. De toutes les façons, il y a quelque chose que je voudrais te dire. Vas-y, parle-moi. Je pense à toi. Comme tu le dis, je pense aussi à toi. Vraiment? Oui. Oh mon Dieu. Pardon, désolé. Mais j'espère que c'est pas pour me manger. Oh. Non. La vérité, c'est que j'ai réfléchi à comment faire de toi ma seule et unique femme. Es-tu sérieux? Oui.
sais quoi? Recouvrons-nous au petit carrefour ce soir. Je t'attendrai pour qu'on puisse bien en parler. Oh mon Dieu, c'est quoi? Je serai là quoi? Oui. Je viendrai te voir. C'est d'accord. Je viendrai te voir. C'est d'accord. Ok. C'est d'accord. C'est ça, ma chérie. Bye bye. Ça a marché. Tu vois alors? Je t'ai dit que ça va fonctionner, Ada. Tu plaques même avec nos hommes. Ah! Et très puissant. Et que tu peux pas comparer aux autres. Parce que c'est petit, ben. Ozo est trop fort. Ozo est très puissant, le feu sort. Tu ne le connais pas bien. Écoutez, partez tous les deux. Je voudrais aller voir quelqu'un en bas là-bas, s'il vous plaît. Tu peux rejoindre plus tard. Attends. Je vais aller voir quelqu'un. Ne me dis pas que tu as arrêté un nouveau gibier, que tu ne veux pas que nous voyons, hein, Ike? C'est vrai, non? Pardon, c'est pas de ça que je parle. C'est quelqu'un qui me doit depuis des mois maintenant. Et je vais aller le voir pour qu'il me donne mon argent. Alors, qu'est-ce que tu attends? Laisse ta petite bouche là. Exactement, hey! Laisse on le mange. Hé, hey, tout fia quoi? Non, n'allez pas sur ce terrain, s'il vous plaît. Si vous le mangez, qui va me payer? Ne dites pas ça, Biko. Partez, je vais vous rejoindre. Hein? C'est d'accord. Un homme qui marche comme une femme. Je suis fatigué. Bonjour. Hey, yeah. Comment tu vas? Je vais bien, merci. On dirait que tu reviens du marché. Oui, bien sûr. Hey, yeah. Ton ventre l'a grossi vraiment de jour en jour. Hey. Hey, ça doit être un garçon. Non, c'est une fille. Ça, c'est sûr. Je dors presque à chaque instant. Je peux toucher? Pourquoi pas? Bébé, j'espère que tu ne causes pas à maman beaucoup de problèmes. Ne détache pas ce que tu ne peux pas attacher au... Laisse-moi te dire, peu importe le jour que tu nais, hein? Ne garde pas le minou de maman. Donc comme ça, tu vas te rentrer à la maison. Oui. Je te souhaite un bon accouchement, hein? Merci. Cela fait déjà 2 mois, Votre Majesté, et nous n'avons toujours pas de réponse. Je me demande si Oziweka fait quelque chose quand même. Chef Koko, je peux voir que tu as perdu tout le respect de mon titre. Respect? Oui. Comment peux-tu parler de respect en ce moment, alors que les habitants de cette ville meurent comme des volailles? En 2 mois, 6 personnes sont mortes. Un bébé a disparu du ventre de sa mère. Et tu as été chargé de trouver la cause. Et pourtant, tu ne fais rien. Mensonge.
accusation. Okoko, tu n'as pas idée de ce que je fais. Qu'est-ce que c'est? Dis-nous. Votre Majesté, s'il te plaît, sois assuré qu'au quatrième mois, une solution sera trouvée. Je fais quelque chose. Votre Majesté, vous ne pouvez pas vous asseoir et croiser les bras là-bas pendant que votre peuple est attaqué par le diable. Votre Majesté, vous êtes le roi et pas lui. Permettez-moi de faire quelque chose. Accordez-moi la permission d'amener le pasteur de la ville pour venir sauver notre peuple. Inefficiency ou efficiency? Okoko, pourquoi manques-tu de respect à un si grand roi? Afin qu'il t'accorde une requête égoïste? Pourquoi? Elles ne sont pas égoïstes. Égoïstes? Elles sont pour le bien de cette ville. Votre Majesté, s'il vous plaît, vous avez besoin de repos. Dites-lui de me laisser résoudre ce problème. Je le résoudrai. Quelle part? Oui, j'ai vraiment besoin de repos. Au Congo, je reste sur ma décision. N'évoque plus jamais cette solution. Vous pouvez partir. Votre Majesté. Okoko, pourquoi m'accuses-tu à tort devant notre roi? Je ne t'ai pas accusé. J'ai juste souligné le fait. Okoko, tu ne comprends pas l'ampleur de ce dans quoi nous nous trouvons. Okoko, laisse-moi te dire. Le problème que nous avons est plus grand que toi. Plus grand que n'importe qui d'entre nous. Donc, devrons-nous le fuir? Va et fais très attention. Qu'est-ce que tu essaies de me dire? Tu as une très bonne famille. Va et occupe-toi d'elle. Est-ce que ma famille est en danger? Inefficiency, Agua, inefficiency. Donc quoi? Arrête de te mêler de cette affaire. Permets-moi de la résoudre. Occupe-toi de tes affaires. Encore une chose. Plus jamais dans ta vie, tu ne m'accuseras d'incompétence en présence de notre roi. Plus jamais! Ozo, je crois qu'on doit le tuer. Okoko? Oui! Non, je ne meurs pas maintenant. Aïe, Ozo, pourquoi non? Écoute, laisse-moi te dire, il passe le temps à raconter partout que le roi est faible. Exactement. Et qu'il est incapable d'aider qui que ce soit. C'est exactement ce que je voulais qu'il fasse. Ozo, pourquoi? Parce que les gens doivent savoir que leur roi est faible. Ozo, pourquoi? Ne crois-tu pas que les gens vont commencer à chercher les solutions? Et cela pourra changer tous les plans. C'est ça. Et un jour, un puissant type y verra le jour et nous exposera tous. Je suis au courant de tout cela. Mais je vais faire quelque chose qui empêchera que tout cela arrive. Ozo, comment quand tu le fais? Bien. J'ai appris comment contrôler le soleil. Comme je vous ai dit plus tôt, il y a des pouvoirs illimités dans cet homme. Très bientôt, je vais tous les étudier. Je contrôlerai tout. Imaginez-moi en train de contrôler le soleil, la lune, les mers, de nuit comme de jour. En fait, je serai en train de jouer Dieu. Vous serez tous des dieux. Nous serons tous des dieux parmi les hommes. Et voir que j'aurai fini de contrôler tous les pouvoirs de cette robe, je renverserai le régime actuel et je deviendrai roi. Je vais diriger cette ville et personne ne se dressera contre moi. Tous les marabouts et tous les puissants praticiens se postèrent à la mention de mon nom.
Les hommes trembleront. Et donc, les efforts du chef hongrois seront en vain. Ah, Ozo, ne prends pas sa vanne. Qu'en est-il de nous? Oui. Je vais vous donner tous les pouvoirs au-delà de votre imagination. Vous tous deviendrez chef. Vous contrôlerez l'argent. Vous contrôlerez l'argent. Oui. Nous devons tous réussir. Alors, vous n'avez pas crainte quoi que ce soit. N'ayez peur de personne. On devra faire que le peuple croit que leur roi est faible. Ainsi, ils m'accepteront. Quand je reviendrai par terre, je serai roi. Je serai comme Dieu. Je serai comme Dieu. Nana, c'est quoi avec cette pluie? Ah, mon bien-aimé. Bébé. Tu es le bienvenu. Merci. Comment était ta journée? Formidable. Bienvenue. Merci. Chérie, devine. Je suis vraiment pas fort sur les devinettes. S'il te plaît, devine. Devine. Dis-moi non. Je t'ai dit, je ne connais rien sur les devinettes. S'il te plaît, dis-moi. Je suis enceinte. Quoi? J'attends un bébé. Tu seras père bientôt. Oui, c'est bien. Vraiment? Oui. Oh, je suis très heureuse. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Très exactement ça. Mais tu sais, même s'il ne reste qu'une dame. Nous allons continuer à la brosse. Viens manger ta brosse. C'est d'accord. Délicieux. Ah, mon joli bébé. Pasteur, cette ville est sous la menace de certains esprits maléfiques. Personne ne sait d'où tout provient. Et notre roi ne réagit pas. Pasteur, j'ai peur. Si rien n'est fait, toute la ville sera détruite. C'est la raison pour laquelle je vous ai invité. Vous avez bien fait de m'appeler. Dites-moi, je voudrais comprendre. Qu'est-ce qui ne va pas avec cette communauté? Les gens meurent mystérieusement. Les gens ne meurent juste pas comme ça. Mais quand ils meurent de manière horrible. Et se vident de leur sang. En fait, pasteur, je ne sais pas comment l'exprimer. Vous devez le voir vous-même. Tu dis qu'ils se vident de leur sang? Oui, pasteur. Dis-moi, est-ce que leur peau se décolorise-t-elle? Oui, pasteur. Et le plus souvent, ils ne sont pas blessés? Pas du tout, pasteur. Pas du tout. Jéhovah, je te remercie. Père, je te donne toute la gloire. Je te bénis, toi, Seigneur. Ouf. Tu vois, je l'ai vu dans mes rêves la nuit dernière. Et le Seigneur s'est agressé à moi. Il m'a montré des gens qui mouraient. Et il m'a dit, je t'enverrai en mission. Une mission pour nettoyer la ville. Une ville qui a été ravagée par le mal. Et il m'a dit, Charles, tu vas obtenir leur salut. Hey. Dieu merci. Alléluia. S'il vous plaît, pasteur, aidez-nous. Pasteur, s'il vous plaît, aidez-nous. Tu vois,
Il y a quelques années de cela, les événements similaires se sont produits dans les territoires d'Omuago. Et j'ai été invité. Après le nettoyage du territoire, exactement après une semaine, ce sorcier en particulier, qui tourmentait la communauté, est mort. Hey, pasteur, j'en ai entendu parler. C'est pourquoi je vous ai invité. Écoutez, toute puissance appartient à Dieu. La Bible dit que la terre et tout ce qu'elle comporte appartient au Seigneur. Aucun démon, peu importe sa puissance, ne peut se tenir devant le Seigneur. Mon frère, je suis un serviteur oint de Dieu. Le Seigneur m'a oint pour marcher sur les serpents et les scorpions, pour planter et déraciner. Et c'est exactement ce que je ferai dans cette communauté. Pasteur, tout ce dont vous pourriez avoir besoin, ma famille et moi vous le fournirons. Tout ce dont j'ai besoin, c'est d'un endroit où reposer ma tête. Pendant 3 jours, je prendrai un jeûne de 3 jours et 3 nuits. Et la 4e nuit, j'élèverai une prière lourde et puissante. Et après cette nuit, votre communauté sera libérée. Dieu merci. Toi et ta famille tout entière, allez vous joindre à moi dans ce jeûne et prière de 3 jours. Mais au 4e jour, ta famille et toi partirez. Parce que ça sera une longue période de bataille spirituelle. Donc je devrais m'y engager seul. Pour que je puisse déployer mes sens et percevoir les présences sinistres des démons territoriaux. Pasteur, vous allez chasser les démons? Je les renverrai direct en enfer où se trouve le maître. C'est là où demeurent les démons. Tout ce que tu as à faire, c'est faire confiance à Dieu. Et les Écritures disent dans le livre d'Exode, chapitre 14, verset 13, ne craignez rien, restez en place. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Merci, pasteur. Merci. Un pasteur? Un soi-disant homme de Dieu? Je lui montrerai le pouvoir. Je lui montrerai le pouvoir. Bientôt, mais alors très bientôt, tous les pouvoirs seront à moi. Et aucun prétendu homme de Dieu ne pourra m'arrêter. Comment oses-tu inviter un homme de Dieu dans notre communauté? Je pensais que le roi le lui avait interdit. À cause de l'action qu'il a prise, il a désobéi au commandement du roi. Mais pourquoi ne le tuons-nous pas? Eh bien, son sang! Ozo, dis juste un mot et son âme sera nôtre. Ne le tuons pas. Les gens nous soupçonneront. Ozo, personne ne va nous suspecter. Écoute, chef Konko est très important dans les projets que j'ai pour arracher le trône. Épargnons sa vie pour l'instant. Qu'est-ce qu'on fait du pasteur? Il prétend d'être un homme de Dieu, hein? Mais on lui montrera la puissance! Les révélations que j'ai eues me disent qu'il veut nous combattre pendant 3 jours. Pendant ces 3 jours, nous allons le combattre! Nous allons le détruire! Nous le finirons! Et je peux vous rassurer que le 3e jour, il mourra! Ozo, pourquoi ne le tuons-nous pas maintenant? Oui. Ce sera plus facile. Oui. Avez-vous peur de ses pouvoirs? Non, dites-moi, vous avez peur? Mais Ozo, essaie jamais de te protéger.
Un noir? Alors, mais ça, ce sera l'opportunité pour nous de prouver que nous avons contrôle de cette ville, que nous sommes au contrôle. Si nous nous occupons de lui, alors le dieu qui l'a envoyé saura maintenant que nous sommes les vrais maîtres du peuple, que nous sommes au contrôle. Oui, n'ayez pas peur. Non. Pendant qu'on y a l'osé, qu'est-ce que tu as pour nous? Ma femme est enceinte. Une fichette. Ah bon, une fichette. C'est une bonne nouvelle. Tu dis? Une très bonne nouvelle. Parce que l'enfant dans son ventre ne sera pas permis de vivre. Nous allons tuer l'enfant et sucer son sang. Oui, et cela prouvera à ce soi-disant pasteur que nous sommes au contrôle. Nous avons le contrôle, que nous sommes les dieux de cette ville. Mais, oui, une efficiency. Avoir une efficiency. Look, sac, sac, source d'énergie. Celui qui contrôle le soleil contrôle toutes les vies. Déverse le pouvoir du soleil en moi. Donne-moi le pouvoir de contrôler le soleil et je deviendrai Dieu. Allons-y. Qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a même pas une bière. Tais-toi! Regarde son gros ventre, comme s'il allait accoucher demain. Et tu parlais de bière. Tu es obligé de boire. Attends, Ike. Sais-tu que tu es vraiment très stupide? Hein? As-tu oublié ce que Ozon nous a dit? Il a dit qu'on ne doit pas boire ou coucher avec une femme, jusqu'à ce que ce combat finisse. Alors, je ne peux pas attendre que ça finisse. Tu ne peux pas attendre? Je ne peux pas attendre. N'avons-nous pas peur? Et si ce pasteur nous battait? Va-t'en mourir. Je ne connais pas où. Je dois vous avouer que je fais des rêves et cringe dernièrement. Tout ce que je sais, c'est que j'ai confiance en Ozo. Je n'ai pas peur, je ne crains pas. Ozo est devenu très puissant. Il a trouvé sa magie. Mais il est le seul qui l'utilise. Parfois, j'ai peur de lui au... Obi, nous n'avons pas raison d'avoir peur. Ozone ne nous trahira pas. Au contraire, nous bénira. En plus, sans lui, nous ne pouvons pas utiliser la magie. Attends, Anosier. Il parle de contrôler le soleil. Pense que ce sera possible. Je ne sais pas. La seule chose que je connais, c'est que Ozo est très puissant. Obi, as-tu oublié que ces ancêtres étaient des bêtes anciennes? Ça m'étonnerait. Je comprends maintenant d'où viennent tous ces pouvoirs. Et je suis sûr, il vaincra le pasteur. Enfin bref, c'est ce soir. Attendons voir. Je suis d'accord avec toi. La nuit, c'est la nuit. C'est cette nuit. La nuit dernière, le Seigneur m'a parlé de vive voix dans une vision. Et dans cette vision, ta communauté était en sécurité. Tout
tous les sorciers et sorcières, les dragons et les vampires de cette communauté, tous étaient anéantis. Dieu soit loué. Alléluia. Maintenant, il est temps de partir avec ta famille de cette concession. Tu dois éloigner ta famille de cette concession. Allez loin. Et vous ne devez pas revenir avant le lever du jour. D'accord, pasteur. Ouf. Ratavaya. Encore une chose. Tu ne devrais dire à personne tout ceci. J'ai dit, tu ne dois rien dire à personne afin que les sorciers et les sorcières de cette communauté ne soient au courant de tous nos plans. Pasteur, je vous ai attendu. Je ne lui dirai à personne. Bien. Comme tu peux le voir, le jour s'éloigne et la nuit est en train d'arriver. Il est temps pour toi de partir avec ta famille. Pasteur, que Dieu soit avec vous. Il est déjà avec moi. Que Dieu te bénisse, tu peux déjà l'interpréter. Makrosa Tavaya, Marouya Santos Nabakari Yabakatava, Ekufariga Osande Lebosa. Me voici, Seigneur. L'heure est arrivée. Oue-moi, ô Seigneur, pour que je fasse ton travail. Et ton nom sera glorifié. Voici le fond de Dieu. Il crie avec insistance. Inefficiency. Abon efficiency. Il se mêle des affaires qui ne le concernent pas. Menant une bataille qu'il sait qu'il perdra. Inefficiency, our inefficiency. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pour cela que nous sommes sans crainte. Quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Combinons nos forces avec cet or. Baptisons-le avec du feu. Quand les flots de la mer mugissent et qu'ils se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes, nous allons envoyer cette dictature. Ce faible, je son maître. Levez vos mains, puisez vos forces dans cet or. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix. La terre se fond d'épouvante.
Abdallah. Il a consumé par le feu les chars de guerre. Que tous les éléments se mettent au sol. Que le vent marche en notre faveur. Je te commande de frapper. Je te commande de frapper. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous. Le pasteur, ou... Quoi? C'est l'ange. Une haute regrette. Moi, ma gueule, oui. Au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit, que le travail commence. Agis maintenant. Ainsi soit-il au siècle des siècles. Puissance de Dieu. Que se passe-t-il? Es-tu sous l'influence de Pasteur? Non! Tu as le contrôle! Le Pasteur n'est pas un homme ordinaire. Mais tu as été créé avec l'esprit, avec le feu du Dieu de l'autre, l'ancien Dieu. Allez, viens prendre mon sang. Je commande mon pouvoir. Je commande à croire. Je commande à marcher. Ne permets pas une fugacité pour envoyer une fugacité. Non, non, non. Prends le contrôle. Je te commande. Prends le contrôle. Prends le pouvoir. Prends le contrôle. Prends le pouvoir. Démon, agent de Satan, le seigneur des ténèbres, je vous commande de retourner à votre maître, rentrez en enfer. Là où vous venez, je lève l'étendard de Jésus contre vous. Je viens contre vous avec autorité dans le nom de Jésus. Le combat est terminé.
Le combat est terminé. Je serai exalté dans les nations. Je serai exalté partout sur la terre. Je suis maintenant Dieu. Je suis maintenant Dieu. C'est terminé. C'est terminé. Gloire à l'homme. Gloire à l'homme. Oui, nous avons gagné du terrain. Je suis sûr que l'homme de Dieu nous attendra maintenant avec de bonnes nouvelles. Donc, allons l'interviewer. J'espère ça. On s'en va. Hey! Ah. Il a tellement plu ici, hein? Où est cet homme? Est-ce que vous avez trouvé quelque chose? Non, apparemment il n'est pas à la maison. Papa, ses choses sont encore dans la chambre. Oh, ses affaires sont dans la chambre des visiteurs. Et cela montre qu'il est toujours là. Je ne suis pas sûr, papa. Il a laissé son téléphone à la maison. Oh, tout est clair maintenant. Il est là. Peut-être il est parti à la promenade pour faire un peu d'exercice physique. Supposons. Hein? Vous pouvez aller vous détendre, ok? Et toi, ma chère? Tu nous prépares quelque chose à manger. Ça a été très trépidant, tu le sais. D'accord. Je vais me dépêcher. Maman, j'ai faim. S'il te plaît, dépêche-toi. Ne vous dérangez pas, je vais vous nourrir. Hey! Il sera bientôt là. Pasteur, pasteur. Hey, papa, avance, je te recouvre là-bas. Tu es trop fort. Regarde comment tu as enlevé ton habit et tu as vaincu ce pasteur. Cet abruti ne pourra même plus soulever un seul doigt dans ce monde. Ça venait de l'orbe. Hein? Le pouvoir vient de l'orbe. Si tu ne comprenais pas, tu n'avais pas gagné le combat. Maintenant, ne parlez plus de cet incident. Non, non. Nous ne parlerons pas de ça, monsieur. Ouais, à nos yeux. Je l'ai vu amener sa femme à l'étage. Ça quoi? Sa femme. Il est fait chiant, il n'a ou on est fait chiant. Alors sa femme est venue ici et personne ne me l'a dit. Non, monsieur. Vous savez, il voulait que vous la rencontriez en personne. Vous savez, vous étiez absent à la cérémonie de mariage, monsieur. Il est fait chiant, il n'a ou on est fait chiant. Va me l'appeler. Ok, monsieur. Qu'elle vienne ici, sans sa femme. Ok. Sans sa femme. Jay. Cette maison est vraiment belle. Oui. Ozo est un homme très riche. Eh oh, Jay.
un jour, j'aimerais vivre dans ce genre de grande maison. Oui, un jour, je vivrai dans ce genre de maison. Toi? Oui. Nous deux, toi, moi et nos enfants. Hein? Chérie. D'accord, tu as raison. Vraiment. Ike, ne me dis pas que tu es déjà sourd. Je ne suis pas sourd. On est en bas, on prend du plaisir. Ike, tu vas te tuer. Bonjour, monsieur. Ozo voudrait te voir. Viens seul, pas avec ta femme. Ok, bébé. Attends-moi, je reviens. Oui. Ok. Chai, belle maison. Tout ceci est très beau. Hey! Je peux voir que tu t'amuses bien. Désolé si je t'ai effrayé. Non. Non, monsieur. J'étais juste en train de rêver. C'est bien. Ça, c'est bien, oui. Bon après-midi, monsieur. Comment vas-tu? Bien, merci. Ok. Mais... bienvenue chez moi. Merci, monsieur. Ok. Bienvenue chez moi. Ozo, ma femme est à l'étage. Permets-moi de te l'amener. Ah, tu peux d'abord oublier ta femme maintenant. Nous avons à parler. Nous pouvons l'appeler plus tard. Tu vas en raison. Monsieur, vous êtes vraiment amusant. Tu es jolie. Merci. Oui. Je ne savais pas que tu étais si jolie. Oui. Oh, c'est splendide. C'est merveilleux. Vraiment magnifique. Monsieur, vous avez une très belle maison. Ouais. Une belle maison. Attends voir la chambre. Oui. Allons-y. Dans la chambre. Lève-toi. Vous savez, cette vie est magnifique. Tu veux dire que la vie est sucrée comme le lait? La vie est belle, très belle. Voyez-vous, quand mon bébé sera chef, je m'assurerai comme un grand patron. C'est Mars en touchant mon bac, touchant mon bac. Et quand je deviendrai mon propre chef, je vais gifler les gens n'importe comment, les gifler comme ça. Bosa, les doser. Et même si tu veux, tu boxes. Tu boxes. Tu les boxes. Belle, belle, belle. Belle. Mais de quoi est-ce que tu parles? Si on me met toutes ces choses à mon contrôle maintenant, je contrôlerai partout. Dans n'importe quelle maison, tous les problèmes viendront chez moi. Et je tuerai tous, je mangerai. Si tu nous donnes maintenant le pouvoir là, on peut contrôler les fourmis. Les fourmis? C'est quoi les fourmis?
Tu peux contrôler le lion, même le tigre. Ozo, donc, si nous maîtrisons ce pouvoir maintenant, nous pouvons faire tomber la pluie, qu'il pleuve à n'importe quel moment que nous voulons. Et même si tu veux quelque chose de plus grand que le règne, comme la chaleur du soleil, si tu veux ça contre tes ennemis, tu peux le faire. Il y a plusieurs choses qui viendront à toi, comme les fesses des femmes. Les femmes et leurs fesses. Les grosses, les petites, les tailles moyennes. Les boubous. Les bonbons, le tum-tum, le tintin, le moum-moum, le pia-pia, les yom-yom. Aux enquêtes au suprême. Je crois que quelque chose ne va pas. Je veux dire, il y a de cela deux jours maintenant. Le pasteur n'est pas toujours de retour. Tu penses? Je veux dire, la méchanceté dans cette communauté est de trop. Oui, je crois que le pasteur n'a pas survécu. Mais, s'il est mort, où est son corps? C'est ce que je ne sais pas. Mais, ça pourrait être n'importe où. Là-bas, la rivière. Ou même enterré quelque part aux alentours, je pense. Ou dévoré. Ha! Hein? C'est de ma faute. Je l'ai conduit à sa mort. Oh, tu n'as pas à te reprocher. Je veux dire, tu n'as rien fait de mal en essayant de délivrer la communauté. Tu n'as rien fait de mal. Peut-être qu'il est vivant ou... Ou il s'est enfui par peur. Ou peut-être il est devenu fou. Fou? Attends-moi. Si cet homme est devenu fou, ou a été tué, ça voudrait dire que cette personne responsable sait que nous sommes inculqués. Et notre famille sera en danger. Hey, Efono! Ne vois-tu pas que nous sommes déjà en danger? Hey! Veux-tu quitter la ville? Tu me demandes si je dois quitter. Et toi alors? Non, je ne partirai pas. Si je pars, qui va rester combattre le diable? Je vais rester ici, combattre le diable et le vaincre. Vas-y, te tue! Alors je suis mort, au service de mon peuple. Donc tu veux faire de moi une veuve? Non. Hein? C'est ça ton plan? Non. Hein? Ce n'est pas ce que tu penses. Ce n'est pas ce que tu penses. D'accord. Laisse-moi aller continuer ce que je suis en train de faire. Mais je t'avertis, nous devons quitter cette communauté. Ike, mon gars. Ike, mon garçon. Ike, mon team. Mais ça dit quoi, c'est non? C'est toi? C'est toi-même? Ike, c'est moi. Ike, mon garçon. Ça dit quoi, non? Ote, regarde-moi. Oh, non, boy, t'es tout frais. Laisse ça. En chair et en os. T'es tout chaud, non? Regarde, je vois l'argent. Tu manges déjà l'argent. Oh, boy, laisse l'autre là, c'est le type-ci. Hey, c'est Dieu qui demande qu'on réussisse. Non, non, non. Je ne suis pas avec toi, je n'accepte pas ça. Pourquoi? Ah! Tu donnes à certaines personnes et tu ne donnes pas d'eau. Prends-le, non? Aïe, tu ne changes pas, toi. Mais si tu l'as dit, je te dis pareil. Et je te dis, alors pourquoi es-tu revenu? Ça fait deux jours déjà que je suis là. Mais tu sais comment les choses sont? Ah, deux jours? Mais tu ne veux pas qu'ils viennent boire ta voiture? Non. Bah... Quand je suis arrivé, le père, la mère, tout le monde. Non, j'ai juste voulu un peu me reposer, mais tu sais, je me suis dit que ce soir, il fallait que je te retrouve, tu comprends, non? Comme ça, on allait voir comment faire. Pas de problème. Kay. Mais Dieu merci, comme je t'ai même vu. Il y a un truc que j'ai dit qu'il fallait que je discute avec toi une fois que je suis ici. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas si tu vas aimer vouloir me suivre à Lagos. Lagos. Fais quoi? Regarde, tu vois, je viens d'ouvrir une nouvelle boutique. Tu sais comment les gosses... Eh non, j'ai pas juste envie de prendre quelqu'un qui fume de l'herbe n'importe comment et puis je l'amène pour être chef de ma boutique. Tu comprends, non? Alors que j'ai les gens au village. Je me suis dit, demain, peut-être tu aimerais. Tu connais, non? Moi, je serai dans l'autre boutique et toi, tu seras dans l'autre boutique. Tu vois un peu? On va se battre. Alors, tu veux que je vienne avec toi, les gosses? Avec le garçon, quoi? Ah, ne réfléchis pas comme ça, non? Tu es mon frère, non?
Je suis ton frère. Tu n'es pas mon frère, alors. Et la meilleure façon de penser à ton frère, c'est entre garçon. Mais même à ce niveau-là, Aike, est-ce que c'est mieux que de rester au village et de rien faire? Mon frère, c'est vrai, non? Pas de problème, je vais y penser. Il vaut mieux que tu le fasses, parce que les deux prochains jours, moi, je vais partir. Et comme tu dis que tu vas réfléchir, essaie de me retrouver à la maison. Comme cela, pour en faire autre chose. Pas de problème, Aike, tu connais comment sont les choses, non? Ça, c'est pour la bière. Ça, c'est pour la bière. Félicite. Tout va aller. Avec tout ce que je vois là. Tu sais que c'est la chair et le sang. À plus. S'il te plaît, tu connais, non? Après. Où t'es ce petit garçon? C'est qui qu'on veut lui amener ses essais? Juste parce qu'il part à Lagos et revient. Il me donne 500 dollars. J'ai honte de moi, petit garçon qui m'appelait Boss. Faut que je devienne son servant ici à plein Lagos. En tout cas, pas de problème. Hey! Il détient mon âme. De quoi est-ce que tu parles? Mon corps lui appartient. Je ne te connais pas. Je le connais seulement. Quelqu'un s'est perdu. Ma faute pour toi, avec lui. Mon esprit devient fou. Pour lui. Je veux qu'il me touche. J'aimerais qu'il me fasse l'amour. Je veux qu'il m'embrasse. Où est mon amour? 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 Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a avec toi? Arrête ça! Oh mon amour! Oh mon amour! Oh mon amour! Arrête ça! Je te demande d'arrêter ça! Je te dis arrête ça! Tu te souviens d'Uche? Uche? Le fils de Mazé Dike? C'est lui! Ah Dieu! J'ai appris qu'il est rentré. Sais-tu que j'ai vu ce garçon hier? La façon dont tu t'exclames là. Dis-moi, il y a un problème. Ce garçon, qui avait l'habitude d'aller me puiser de l'eau à l'époque, parce qu'il est parti à Lagos et est revenu avec des petites choses, il a le culot de m'insulter. Qu'est-ce qu'il a fait? Ce gars m'a demandé d'entrer dans sa voiture. Oh. Disant que je le suive à Lagos pour être son garçon à tout faire. C'est ce qu'il t'a dit? Attends. Qu'est-ce qu'il va pas avec cet idiot? Est-ce parce qu'il allait à Lagos et s'est fait un peu d'argent? Selon lui. Et pas qu'il peut rentrer ici et insulter les gens n'importe comment? Ne t'inquiète pas. Je dis, ce que moi-même je vais montrer à ce garçon. Je vais lui montrer ce qu'il n'a jamais vu dans ce monde. En osé. De façon dont tu es calme là, j'espère qu'il n'y a pas de problème. C'est quoi le problème? Hein? C'est ma femme. Qu'est-ce qui est arrivé à ta femme? C'est comme ça que la magie de Ozo se manifeste. Manese Fokara la lata. Comment? C'est faux. Je crois tellement à Ozo que la magie de Ozo
est très très puissante. Ça n'échoue pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Dis-nous. Elle délire. Dit des choses anormales. Dit que son corps lui appartient. Elle ne m'a pas permis de la toucher. La nuit dernière. Elle n'a même pas dormi. Elle devait être à qui alors? Je ne connais pas. Peut-être que c'est ce garçon qui est méchant. Là, ça devient délicat. Très, très, très étrange. Je suggère que tu ailles voir Ozo. Je suis convaincu que Ozo saura exactement quoi faire. Actuellement, Ozo est capable de te donner une réponse. J'irai le voir. Ok. Même s'il ne restait qu'une dame, elle doit toujours être le brossier. Ozo lui donnera une réponse. Ozo, mon ami, elle court un peu de partout. Je ne parviens pas à la comprendre. Ozo, penses-tu que la magie en train de la quitter? La magie ne la quittera pas. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Tu me l'amèneras. Pour 3 jours et je la guérirai. Et pendant cette période, tu ne la verras pas. Je vais la guérir. Ok, merci, monsieur. Tu commences déjà à l'aimer. Ozo, tu connais comment je l'ai épousée. La vérité est que je commence vraiment à me plaire avec elle. Ne t'inquiète pas, ça ne va pas affecter notre arrangement. Ça vaudrait mieux. Ça vaudrait mieux. Oui, monsieur. Amène-la ici. Okay. Et je la tuerai. D'accord, monsieur. Regardez le con. Regardez-moi cet idiot. Il tombe amoureux. Inefficiency. Agua inefficiency. T'avances pas plus. Je ne te veux pas. Bébé, va prendre un bain, non? Non. Ne me dis pas ce que je dois faire. Seulement lui peut me dire quoi faire. Seulement écoute, lui. Écoute, je t'amène chez Ezoweke. Va te laver. Lui, c'est le petit dé. Ozo, nous sommes là. Ça, c'est bien. C'est bien. Tu peux partir maintenant. N'oublie pas qu'elle passera 3 jours avec moi. Hein? Sans problème. Je veux juste qu'elle aille mieux. Ok. Ok. Tu peux partir. Je ne suis plus là. Mm-hmm.
Mon Seigneur et Maître. Tu es la bienvenue. Obi, hein? Es-tu sûr qu'Ozon pourra la guérir? Anosé, es-tu en train de tomber amoureux de cette fille? Ce village. Quelqu'un doit rester ici pour combattre ce diable. Comme notre roi est incapable et Waziwaka n'est pas sincère, alors c'est mon boulot. Mais papa, tu sais que c'est très dangereux et je n'ai pas envie de te perdre. C'est vraiment très dangereux, non? C'est pourquoi je vous ai tous appelés ici. J'ai décidé de vous faire sortir de cette communauté. Je resterai seul ici. Papa Ifan, puisque tu as décidé de rester et de lutter contre cette horreur, pas de problème. Le mariage, c'est pour le meilleur et pour le pire, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Pour ça, moi et Koma, ta femme, je resterai. Et je lutterai contre cette horreur avec toi. Non. Tu vas avec les enfants. J'ai dit, je n'irai nulle part. Papa, moi aussi, je n'irai nulle part. Mais ça veut dire quoi? Hein? Ou vous ne savez pas le danger auquel nous sommes confrontés ici? Papa, je suis un homme. J'atteins l'âge. Je peux me battre. Mon fils... Ce combat n'est pas un combat physique. Ce n'est pas quelque chose que tu peux voir. Papa, nous tous nous allons rester ici comme une famille. Et nous allons tous faire face, quel que soit ce qui arrivera. Oh, c'est tout ce que j'ai dit. Tu les as écoutés. Garçon est un coronel. Mais dans 2 jours, il la quittera. Alors ne te fais pas soucier. Dis-tu qu'elle ira mieux dans 2 jours? Doutes-tu du pouvoir du Hop? Non. Je ne doute pas de la puissance de l'aube. Ne prends soin d'elle. Elle ira bien. Thank you.
bébé, ma beauté. S'il te plaît, calme-toi. Écoute, j'ai préparé un délicieux repas pour toi. Et tu vas aimer ça. C'est ton préféré. Alors, allons manger. Laisse-moi. Ne me touche pas. Ne me touche pas. Amène-moi à lui. Amène-moi à lui. Il a possédé mon corps. Il a pris possession de mon âme. Je le veux. Je le veux. Je le veux, amène-moi lui. Amène-moi lui. Ok, viens d'abord, ça va manger. Viens d'abord manger. Attends, non, attends. Attends, attends, attends. Laisse-moi t'amener chez lui, non. Amène-moi. Ok, viens, laisse-moi t'amener chez lui, non. Ok, viens. Amène-moi. Oh, ça va. Amène-moi lui. Amène-moi lui. Amène-moi lui. Amène-moi lui. Hi. Hey. Je suis fini. Je finirai par savoir ce qui se passe. Invoquez l'âme. Oh, mais ça gala baka za banka ka baka baba. Oh, mais ça gala kaba sa gala baka baba. Oh, bis sagra kaba saban la bakaba. Nourrissons-nous de lui. Non. Nous ne nous nourrirons pas de lui. Il sera laissé en vie. Mais il vivra comme un homme fou. Il marchera comme un insensé. Il mangera dans la poubelle. N'importe où il ira en vain. Un maketi. Cela sera son enterrement. Il subira cette punition. Pour qu'à la prochaine fois, il n'ose plus vous insulter. Oui, monsieur. Thank you.
cet idiot. Voilà ce qu'il est devenu. Oui, il est devenu fou. Oh mon Dieu, que s'est-il passé? Je ne sais pas, mais il est revenu de Lagos dernièrement. Je l'ai vu il y a de cela deux jours volant de sa voiture. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Ma soeur, je ne sais pas. J'ai peur de ce village. Hein? Peut-être que le mal de ce village l'a vu. Aïe! J'ai vraiment peur. Qu'est-ce? J'ai peur. Je vais à la maison. Hey. Hey. Oh. Se rencontreront et la lune dans le cercle sera complet. Alors, moi, Ozomega, je deviendrai un dieu avec un pouvoir jour et nuit, pouvoir sur la lumière et les ténèbres. Et ensuite, je vais prendre le contrôle total. Je saisirai ce qui m'appartient. Je vais créer une terre que l'on n'a jamais imaginée. Je sens que le pouvoir peut m'appartenir. Bientôt, je le rendirai. Oui.